passerelle, mais avec des gardes. Nous n'entrerons par là qu'en dernier recours. Le transformateur près du mur, tu le vois? Il pourrait nous aider à grimper. On dirait un tunnel de maintenance à côté de la route. Des tourelles camouflées près de l'entrée. À éviter. Je ne tiens pas à mourir là-bas. Tu te débrouilles bien. Des tuyaux, tu les vois? On pourrait s'en servir pour entrer. Je crois que j'ai tout vu, là. Est-ce que tu vois les trois antennes? C'est parfait pour un sabotage. Quand leurs communications seront coupées. Daikon Lanza. Alors, on s'y met? C'est ce que tu as dit avant d'entrer dans le Kumpeki Plaza? Je veux être sûr que nous n'avons absolument rien négligé. Il vaut mieux attendre et observer. S'il ne se passe rien d'inhabituel, alors oui, on s'y met. Bonne idée. Y a plus qu'à tuer le temps. V. Quoi? Pas de geste brusque. Tu le vois, le chat. Il est mignon. Mais je croyais qu'ils avaient tous disparu de la ville. C'est le premier animal que je vois à Night Hostie. Si on exclut les cafards, bien sûr. Ça a d'abord été les oiseaux, puis les chiens. Les chats ont résisté plus longtemps. C'est peut-être un Bakeneko. Du calme, c'est qu'un chat. Peut-être. Ou peut-être pas. Ma grand-mère connaissait un tas d'histoires sur les Kitsune, les Kappa et les Bakeneko. Ça te manque? Question idiote. Je viens du bidonville de Chiba 11. Un jour, quand je ne pensais qu'à en partir, j'ai... Ces mauvais souvenirs se sont effacés avec le temps. Je ne regrette que l'insouciance de mon enfance. Mon enfance, voyons voir. Ma première virée en bobeur au milieu des collines. Ah, et mon premier baiser au milieu d'un champ de maïs synthétique. Je me souviens de l'odeur chimique du canal où je lavais mes chemises avec les autres garçons. Des transporteurs corpaux passaient parfois dans notre quartier. Arasaka sélectionnait des enfants, mais seulement ceux qui étaient propres. Des transporteurs, vraiment? Blindés et armés. Chiba 11 avait le taux d'homicide le plus élevé du Japon. C'est sûrement toujours le cas. Laisse-moi deviner, ils voulaient en faire des soldats corpo, c'est ça? Exactement. Quand on m'a choisi, c'était comme si j'avais gagné à la loterie. À l'armée, on m'a donné tout ce dont j'avais manqué. De la discipline, des repas réguliers. Et quand j'ai fait mes preuves, une éducation.
Comment un bleu chargé de laver les chiottes devient garde du corps de Saburo Arasaka? Major de promotion à l'académie, service dans les forces spéciales, et le Ikize Tarasaka-sama pour repérer les gens talentueux. Tu vas me dire que t'es tapé dans l'œil de Saburo? Savoir faire les bons choix sans avoir toutes les informations, c'est ce qu'il faut pour devenir l'homme le plus puissant du monde. Une centaine de candidats au garde à vous. Arasaka-sama a sondé l'âme de chacun de nous, et il a choisi celui qui le servirait le mieux. Ouais, et en échange, t'avais juste à tuer les ennemis de Saburo. Je sens que tu me juges, même si tu n'as aucun droit de le faire. Contrairement à toi et à ton ami, Monsieur Wallace, je n'étais pas arrogant. Je n'ai pas choisi la facilité. Tu veux dire que t'as pas les mains sales? Personne n'a les mains propres. Mais ce qui compte, c'est comment on les salit. Accouche alors. Tu les as salis comment? Arasaka m'a donné ce que je n'aurais pas trouvé ailleurs. Des valeurs à honorer. C'était le plus important. Tu te salis les mains pour de l'argent. Je le fais au nom de principe. Je te jugeais pas. C'est faux. Tu t'opposes aux corporations, à leur ordre, leur monde de façon absurde. Mais tu n'offres pas d'alternative sérieuse. Regarde autour de toi. Voilà le monde des corporations dans toute sa splendeur. Tu me montres des rues sales, comme s'il n'y avait pas d'autre monde, comme si rien d'autre n'était possible. Et les millions de gens qui travaillent pour Arasaka, qui profitent d'une stabilité, de la sécurité... Et les pauvres de Chiba 11, ils survivent en recyclant des conserves de scope. Ça aussi, c'est le choix des corbeaux. On ne peut pas tout arranger d'un coup. T'as déjà oublié ce qui s'est passé chez Tom's Diner? Les gens détestent par-dessus tout les corbeaux. Et on peut pas leur reprocher. J'ai des regrets, mais sûrement pas d'avoir volé Arasaka. J'aimerais parfois devenir un nomade, quitter ce monde, oublier tout ça. Il est jamais trop tard pour changer. Non. Comme vous dites, les vieilles habitudes ont la vie dure. Non, quoi? Ce jour-là, au Kompeki, on a tous les deux perdu quelqu'un d'important. On ne l'accepte pas. Alors on cherche le conflit. On se querelle pour rien. Voilà enfin des paroles sensées. Il y a une chose que tu dois savoir. Ça concerne Monsieur Wills. Jack, qu'est-ce que t'as à me dire? Quand j'étais à ta recherche, d'autres recherchaient Jackie. Ils ont emporté son corps. Putain, mais pourquoi? Il pouvait même pas laisser sa mère lui offrir de vraies funérailles. Arasaka a une méthode pour extraire des informations des morts. De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas bien compris les détails, mais ils se servent du programme Tueur d'âme. Ils peuvent extraire un engramme du corps de Monsieur Willis. Endommagé, incomplet, mais ça reste un engramme. Putain, bande de fils. La psyché de Jackie, il la garde où?
Ça, je l'ignore. Pourquoi tu me dis ça que maintenant ? Je n'étais pas sûr de pouvoir te faire confiance. La situation a changé. On dirait que le Bakeneko en a eu assez de nous. Il va trouver sa propre voie. Comme nous. Je pense qu'il est temps de passer à l'action, non ? Merde, c'est de pire en pire. Tu n'as pas l'air si mal en point. Je reste à l'écoute. Les manœuvres de diversion, ça, c'est mon affaire.
J'y suis. Bien. Essaie de t'introduire dans l'entrepôt. Je vais détourner leur attention.
continuer de chier ? Sors de là ! T'as encore rien fait de grave ! Jay, comment ça se passe pour toi ? Bien. Je vais atteindre la salle de contrôle. Et semer la confusion. Très bien. Je suis prêt. Quand le tuyau va terminer, je détraquerai les systèmes. Allez, on fonce! Ça, fais attention où tu vas! Impossible!
Ok, le char est à nous. Tu pourras voler avec jusqu'à Tokyo si ça te dit. Oui, pourquoi pas. Bon travail. Très bien. À mon tour, tu as vu, c'est le chaos total. Même le toit commence à... Hé, le toit, c'est ta porte de sortie. Il y a des bâtiments plus petits tout autour. Certains pour redescendre. Hé, dépêche-toi. Il y a une navire d'Arasaka en approche. Ça a marché. Excellent travail, V. Ok, et maintenant ? Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennuis. Oh, je suis plus à ça près, tu sais. Thank you.
Ça faisait longtemps que tu n'avais pas appelé, depuis la mort de Jackie. Je voulais vous appeler plus tôt, Mama Wells, mais... Vous savez ce que c'est? Tu avais des choses plus importantes en tête. Mais Vida, qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais juste savoir si... Vous savez, si vous teniez le coup. C'est dur. Les parents ne devraient pas enterrer leurs enfants. Je n'ai même pas de corps à enterrer. Mila, ne t'inquiète pas. Je prends soin de moi. J'imagine que tu fais toujours... la même chose qu'avant. Promets-moi que tu ne te feras pas tuer, d'accord? Que le Seigneur te protège, Mila. Salut, V. Comment ça se passe avec Rogue? Ça se passe. Je touche du bois. Vous êtes réconciliés, du coup? On s'évite pour le moment. Et ça me va très bien comme ça. Des complications avec Keng Tao? Non, rien pour l'instant. Ils ont envoyé une autre patrouille inspecter la centrale, mais ils sont convaincus que c'est les Rafeng qui ont abattu leur navire et attaqué les gardes d'Elman. Le proprio de la centrale s'en tient à cette version. Pour l'instant. Tout va bien?
Ça dépend de ce que tu veux dire par « tout » et de ce que tu veux entendre. Oh, tu sais, la routine. Tu m'as manqué, V. Ah ouais. Je vois que tu t'es déjà fait toute la scène dans ta tête. T'as l'habitude, c'est ça? Panam. Mais bon, c'est vrai, tu m'as manqué. À plus tard. À plus, V. Il met les gens en garde.